démarrage, le DVR fait un test d'affichage. Ici, il a été accéléré. La souris apparaît. La première caméra a été branchée en direct et un disque dur a été également branché dessus. On clique gauche, menu principal. Là, le mot de passe par défaut, il n'y en a pas. Vous cliquez sur confirmer et vous arrivez dans le menu du système. On va donc dans système, réseau. Donc, nous allons configurer maintenant l'adresse réseau. La cage DHCP doit être décochée, sinon l'adresse ne sera pas statique, elle va changer. Elle doit être fixe, donc on va lui entrer une adresse IP fixe, 192.168.1.80 par exemple. Le masque de sous-réseau correspond au masque de sous-réseau de votre réseau, généralement c'est 3x255.0. La passerelle correspond à l'adresse IP de votre Livebox, Freebox ou Freebox par exemple. Donc chez Livebox, c'est 192.168.1.1. On va également changer le TCP interface pour pas qu'il reste sur 80, qu'il n'y ait pas de conflit. Donc on va mettre en 8.1.8.1, mais aussi on pourrait mettre 6.1, 6.1, 7.1, 7.1 si on veut. On va garder une suite logique, donc le deuxième on va l'appeler 8.1.8.2. Et on va cocher la cage télécharger à haute vitesse sur internet. Et on peut choisir les stratégies, donc qualité ou fluidité. On confirme. Le serveur vous demande de redémarrer, vous confirmez. Donc, on va voir sur le système réseau que tout a bien été sauvegardé, c'est le cas. Donc, on va sur NetService. NetService, ça nous permet de rentrer certains paramètres. Là, on va s'occuper du paramètre qui nous permet de voir à travers notre téléphone, donc le mobile monitor. On double-clique dessus. Là, on va mettre une suite logique, donc on va mettre 8.1.8.3 pour le port mobile. 8.1.8.3. On confirme. On confirme encore. Là, il vous demande de redémarrer, vous confirmez. On retourne sur NetService. Vérifier que le 8.1.8.3 a bien été pris en compte, c'est le cas. Ici dans l'affichage, on peut changer le nom des caméras. Chaîne 1, donc elle s'appelle par défaut caméra numéro 1. Là, on va l'appeler par exemple entrée. Voilà, on confirme. On reconfirme. Et voilà, donc ensuite on va aller voir la caméra numéro 1, voilà, qui s'appelle maintenant entrée. Dans l'affichage, on peut également jouer sur la transparence des menus. Donc du plus clair au plus opaque. Ici, dans les caméras, on peut créer des zones de masquage. Donc on va créer un petit carré, par exemple comme celui-ci. On peut le placer où on veut. Là, on va le placer sur l'étiquette qui était là. Et voilà, on voit qu'une petite zone rectangulaire noire s'est placée devant l'étiquette. On la voit, elle est plus grosse que l'étiquette qu'il y avait avant. Là, on décoche pour supprimer cette zone de masquage. On est revenu à la petite étiquette. Voilà. Maintenant, on va sur RS485, ce qui nous permet en fait de configurer les caméras motorisées. Donc pour les piloter directement à partir d'enregistreurs, donc on a tous les protocoles disponibles. Généralement, c'est le protocole PEL-codé en 9400. La caméra, de toute façon, vous le dit au démarrage, votre caméra motorisée.
Voilà, ici c'est pour programmer les tours, tours de garde, si on veut faire des tours de garde. Ici on a les alarmes, alarme sur détection de mouvement. Donc on peut activer. C'est-à-dire qu'il va vous envoyer un email. Donc on peut définir la zone de mouvement. Donc là c'était tout la caméra. Là on est en train de décocher les parties qu'on ne veut pas qu'elles apparaissent en détection de mouvement. C'est-à-dire que si quelqu'un ouvre la porte d'entrée, ça ne se décochera pas. Mais si elle passe sur le bureau d'accueil, là ça s'enclenchera et ça vous enverra un email d'alerte. On peut la programmer donc sur des plages horaires, sur des plannings, hein, donc du lundi au mardi, avec tous les horaires de la journée. On peut également faire buzzer le DVR en claquant, en cochant la case. Donc voilà, on vous montre les différents types d'alarmes. Tout est paramétrable, c'est assez intuitif, donc il suffit juste de regarder les menus et de voir les possibilités qu'on a. Donc ici nous sommes sur Info pour voir l'espace du disque dur. On a également accès aux statistiques, mais également au journal, c'est-à-dire qui s'est connecté, si le serveur a redémarré, qu'est-ce qui s'est passé pendant notre absence. Vous avez un journal d'événements. Donc dans fonction vidéo manuelle, on va pouvoir entrer manuellement la longueur des enregistrements, 15 minutes. C'est bien parce que ça permet de télécharger plus rapidement les vidéos sur Internet après, à distance. Les périodes également, si on veut. Retour d'émission, c'est la fonction qui nous permet de faire des relectures. Donc on va sur la petite loupe, on clique dessus. On définit les caméras qui nous intéressent. Ici, en l'occurrence, ça serait la une. Les types d'événements, on va définir tous les événements en lecture et en écriture. Ensuite, on va choisir la période de début ainsi que la période de fin, donc du 28 février jusqu'à l'infini. On recherche. Les vidéos apparaissent en haut à droite. Donc on clique sur la vidéo qui nous intéresse, on double-clique et tout de suite elle se relie. Donc on voit bien la vidéo de tout à l'heure. On peut avancer dans la timeline directement, on avance dans le temps en cliquant simplement, c'est très fluide. Hein. Là, je repasse devant, c'était une vidéo qui était enregistrée tout à l'heure. On change de vidéo, on double-clique dessus pour la relire tout simplement. Encore une fois, on peut avancer dans la timeline en cliquant directement dessus. Donc des recherches très rapides. On peut également faire une avance rapide en cliquant tout simplement sur l'onglet accélérer. Là on va en x2, x4, ainsi de suite. Donc clic droit, retour au menu précédent, annuler. Donc là, on revient au direct directement. Hein. On peut également régler la couleur des caméras directement à partir du DVR, donc sur chaque caméra. On peut jouer sur la luminosité, comme ici, ou bien sur le contraste. Donc, étant donné que chaque paramétrage est différent, chaque fois d'essayer les meilleurs réglages. Donc, dans l'outil de gestion, on va pouvoir définir le formatage du disque dur, également gérer les comptes. Donc on va pouvoir modifier le groupe administrateur par exemple. Donc réutiliser plusieurs fois ce même groupe et toutes les autorités sur le DVR. On peut donc tout définir. Modifier le mot de passe, modifier les noms. Donc par défaut il n'y a pas de mot de passe, à vous de l'en rentrer un dans cette fonctionnalité. On voit les différents également sous-paramètres de l'outil de gestion. On peut faire des redémarrages automatiques si on le souhaite. Possibilité de mettre à jour votre enregistreur. Et ici est l'information des alarmes. Voilà pour le paramétrage du DVR Nova 104B.